on se retrouve avec le premier snack qui sera le toast d'avocat avec son œuf mollet. Donc là, je viens prendre mes biscottes que je vais faire revenir à la poêle avec des ail et fines herbes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre pour donner du goût et assaisonner tout simplement. Je vous conseille de prendre de la brioche et de la faire toaster au grille-pain parce que le problème des biscottes c'est que quand on va placer l'avocat dessus, l'avocat va s'imbiber dans la biscotte et ça va avoir un goût un peu flasque et ça va pas être super, donc voilà, je vous conseille plutôt une brioche. Ensuite, on se munit d'un demi-avocat qu'on va venir soit couper et mettre directement sur le toast, soit venir écraser et poser. Non, la recette, attention, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais il faut rajouter un œuf mollet ou un œuf tout simplement posé dessus sur les toasts parce que ça va venir donner du goût et ça va venir vraiment finaliser la recette. Je ne l'ai pas montré en vidéo parce que je ne les ai pas mangés de suite, donc j'y ai mis après, la luminosité n'était pas top, mais venez vraiment rajouter l'œuf, ça fait toute la différence et c'est vraiment délicieux, et pensez à bien assaisonner avec du sel, sinon c'est un peu fade. Et voilà, la recette est finie, c'est hyper simple et c'est vraiment super bon quand vous assaisonnez bien, pardon. Ensuite, on passe au deuxième snack qui est hyper simple. Donc, on vient préparer notre poêle en l'assaisonnant pour pouvoir faire cuire les tomates. Donc, moi, j'ai pris deux branches de tomates parce que je trouvais que ça faisait plus beau esthétiquement, mais vous pouvez prendre deux branches plus des tomates cerises. Vous les mettez sur la poêle vous les faites revenir, etc. Et vous venez mettre les toasts pour que les toasts s'imbibent avec les tomates, etc. Ce sera super sympa. Prenez vraiment votre temps sur cette étape parce que c'est vraiment ça qui fera toute la recette. Et c'est vraiment super sympa parce que c'est rapide à faire, mais c'est vraiment bon en bouche. Les tomates cuites, enfin, perso, j'adore. Ça fait vraiment été, barbecue, etc. Vous pouvez prendre la biscotte comme ça ou la toaster de Philadelphia, ça c'est vraiment comme vous voulez, et après vous venez dresser l'assiette de manière à ce que ce soit sympa. C'est vraiment hyper simple, mais c'est vraiment super sympa en bouche et c'est super beau. Alors le troisième snack, c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous venez tout simplement prendre une tomate et de la mozzarella et vous venez couper la tomate en fines lamelles, pas jusqu'au bout, pour pouvoir mettre la mozza entre. Et c'est vraiment super simple, franchement il n'y a rien de sorcier, mais je trouve ça super sympa pour présenter, ça change un peu. Et pour manger c'est pas trop galère non plus, c'est sympa et c'est... Moi je trouve que c'est plus agréable à voir, vous pouvez assaisonner entre, faire plein de petites choses sympas, donc voilà. Moi c'est pas super beau parce que vous le savez, je suis une catastrophe en cuisine, mais honnêtement si vous êtes un minimum minutieux et pas trop de main gauche, ça aura un résultat vraiment plus beau, parce que moi c'est vrai que bon, je suis un peu brute, je suis pas très doux dans les manières, mais franchement c'est super beau et ça vient... donner une autre façon de voir et de manger la tomate mozza, d'une façon un peu plus fun, un peu plus artistique visuellement, et c'est toujours sympa, ça change, et moi je trouve que c'est super beau, bien que ce soit hyper simple. Ensuite, ce quatrième snack, je le fais vraiment tout le temps. Vous avez juste besoin d'un blanc de poulet ou d'un blanc de dinde. Et vous venez mettre du Philadelphia dessus. Il n'y a rien de plus simple, mais c'est vraiment délicieux. Enfin, vraiment, j'adore et je me le fais tout le temps. C'est trop bon. Donc voilà, vous venez le recouvrir de fromage comme des gros. Et mettre soit de la salade, soit des concombres, soit même rajouter des tomates. Moi, je le fais juste avec de la salade parce que c'est comme ça que je le préfère. Et vous venez rouler. Donc soit vous le mangez comme ça, comme un gros porc, soit pour un visu plus sympa, vous le coupez en petit rond, en espèce de dé circulaire, et vous le venez les piquer avec des cure-dents assez sympa. Ce cinquième snack sera un snack sucré et vous avez juste besoin de toast et vous venez les recouvrir de fromage blanc. C'est vraiment super sympa. Bon, moi je suis vraiment pas soignée au niveau de la présentation, donc ça rend pas super bien sur moi, mais je vous assure que si vous êtes un minimum soigneux, bah ça rendra vraiment super bien. Et vous venez placer vos fruits et venir rajouter de la petite déco. Moi je vous conseille vraiment de prendre la brioche parce que le problème c'est que le fromage blanc s'imbibe dans les toasts, donc c'est vraiment pas bon. Mais avec de la brioche, ça sera vraiment délicieux.
Donc ensuite, un espèce de snack, drink, boisson, super sympa pour cet été, pour un apéro, etc. C'est détox et c'est sympa. Vous prenez un citron que vous pressez. Moi, j'en ai pris qu'un parce qu'après, c'est un goût un peu trop citronné. Vous pouvez en prendre un et demi. Vous prenez de la grenadine, ne prenez pas de la casino comme moi parce qu'elle est pas bonne. Prenez de la vraie grenadine ou faites-en ou ça sera 10 fois meilleur. Vous mettez des glaçons et de l'eau et vous venez remplir de fruits, de légumes ou de tout ce que vous voulez dans la jarre. Prenez pas des groseilles comme moi parce que ça tombe et c'est pas hyper esthétique. Après vous venez décorer, c'est super frais et c'est vraiment délicieux. Voilà voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Mettez un gros pouce en l'air si elle vous a plu, si vous en revoulez des comme ça. Et puis on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. À mercredi prochain, soyez nombreux. À mercredi, la bise.